Vas-y. Voilà! Et ce n'est pas trop tôt! C'en est fini des bandits. J'ai récupéré le bois de la factrice d'Arc. Je n'en avais jamais douté, mon ami. Alors? Ton plan? Oui, le Cyclope et moi avons une petite affaire de drachme à régler. Une affaire qui te concerne aussi, mon ami batailleur. Et c'est à cause de toi si ça me concerne, mon ami. C'est vrai. Mais, je te le jure, ce sera la dernière fois. Et s'il persiste à nous envoyer ses hommes, on fera en sorte qu'il ne puisse plus nous ennuyer. Très bien, je t'écoute. Qu'est-ce que je dois faire? Nous devons faire, tu veux dire? Je suis le cerveau et toi les muscles. Alors, c'est une tâche en commun. Si tu le dis. Réfléchis. À quoi le Cyclope tient-il le plus? Ses hommes? Ses terres? Ses navires? Non! Son œil en obsidienne. Viens-en au fait, Marcos. Très bien. On va le lui voler. Tu es fou? Tu lui empruntes des drachmes et tu veux lui voler son œil? Si on le lui prend, on gagne. Et ensuite, on le vend. Et nous faisons d'un œil deux coups. Et s'il bouge, je lui ferai perdre les deux yeux. Non, non. Le Cyclope ne doit être au courant de rien. Il ne faut surtout pas qu'il te voie. Dans ce cas, mon nouvel arc me sera utile. Il garde son œil chez lui. Il y tient trop pour prendre des risques. Un choix logique, jusqu'à ce que tu lui prouves le contraire. Alors attends que la nuit tombe, faufile-toi et rapporte-moi cet œil. Très bien. Mais ne t'avise pas de te montrer radin. Radin? Pourquoi tu dis ça, Alexios? Parce que c'est la vérité. Apporte-moi l'œil et je te prouverai le contraire. Mais souviens-toi, personne ne doit te voir. Je sais. Si tu réussis, le Cyclope n'accrochera pas nos têtes sur son mur lorsqu'il reviendra. Reste à trouver cet œil. S'il est aussi précieux que le dit Marcos, il doit être caché. Bonjour, l'œil. Je te vois. Je dois me cacher. Si je ne fais pas de bruit, les buissons vont l'affaire. Malak! Cet œil doit être vraiment spécial pour être aussi bien protégé. Il faut que je reste hors de vue.
Hey, attention! Tu sais combien il y avait de gardes là-bas? Crois-moi, j'ai entendu le raffut. Tout le monde a entendu le raffut. Je ne t'avais pas dit de te faire discret. Tout ça pour une saleté de cailloux. Ce caillou vaut autant qu'une maison, mon ami. Oui, mais pas assez pour rembourser le cyclope. Oh, ne sois pas comme ça! On s'est bien amusé, non? Cyclope va nous tuer, Marcos. Mets-toi bien ça en tête. Et ça n'a rien d'amusant. Ça va marcher, je t'assure. Pourquoi je te mentirais? Tu veux vraiment une réponse? Prends l'œil, mais ne le vends pas. Aucun acheteur ne croira que nous l'avons eu de manière licite. Tout le monde sait à qui il appartient. D'accord. Plutôt ta poche que ses paupières. Ça suffira pour aujourd'hui. Quéré, Marcos. Attends! J'ai vu un bateau, et je ne le connais pas. Et ? Il est trop beau pour ce trou perdu. C'est sûrement le Cyclope. Et il a ramené des amis. Il est de retour ? Ah, on peut dire que le sort s'acharne sur moi. Élimine-les ! Ça nous fera un souci de moins. Et d'ailleurs, ces étrangers doivent être riches comme Crésus. Le Cyclope les paie bien. Tout le monde va y gagner, tu verras. Pourquoi pas ? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Toi? Oh, mais tu ne perds jamais, voyons! Bon, où est-ce qu'ils sont? Dans une maison abandonnée de la côte Est. Qui sait quel trésor ils ont dans leur repère? Envoie-les chez Hadès et emporte tout ce qu'il y a! Nous serons riches! Je garde une part de ces trésors pour moi. C'est ça ou rien. Pas une seule drachme pour celui qui t'a renseigné? Le reste servira à payer ta dette. Nous sommes d'accord. Oui, oui, d'accord. Maintenant, va apprendre à ces étrangers la devise de Kefalonia. Tuer ou être tué.